Allez, 5-3 pour VRU. Je vais en profiter pour donner des scores à Kongster. Allez, c'est parti, premier round. On s'attaque les 1000 points de Honda. Allez, là, Yamakoto qui presse, Karakusa avec un petit counter juste avant. Ah, il a voulu placer le slide de Karakusa, mais c'est pas passé. Il a joué là, le Viryu. Honda, faut passer ses fers. Attention, là, il y a le Honda qui a son ultra de rempli au max, mais elle est quand même là. Gros point en counter qui casse les Tsumugi de la petite Makoto, gros point en l'air qui casse justement le moyen point de Honda. Honda qui ne laisse pas faire, qui nous a passé un dos couillet là pour casser le pressing de Makoto. La chose spéciale, ex qui casse le coup spécial de Viryu. Karakusa, ex dans le vent, qui se fait punir par le coup du poulet. Le coup du poulet, c'est pas mal ça. Allez, deuxième round. Allez, mille mains, gratte. Dans la garde, ça gagne toujours, hein, c'est toujours ça pris. Gros point, sauter sur place avec la chose spéciale qui fout dans le coin. Pas mal là le setup, mais ça passe pas. Karakusa, gros point, il au sol. Il y a deux dans la garde là. Allez, mille mains. Saving. Viruk a maintenant son ultra en stock. Une petite barre de hex. Dans la garde, c'est lui qui passe. On va peut-être lui faire l'ultra là. C'est dommage. Il garde l'avantage quand même. Il a Viryu, il faut qu'il trouve une solution pour ouvrir la garde de son adversaire. Au moment où Honda arrive à très très bien gérer ce match là. Ah, le Karakusa qui passe dans le vent, Doskuyak qui gratte bien dans la garde. Minin qui gratte, coup du poulet qui touche dans les airs. Et Doskuyak qui casse Makoto dans les airs. Honda qui a bien campé là, on se croirait à CVS2 au niveau de la camp. Il nous fait 5-4 pour Honda. Allez, c'est parti pour ce 10e match déjà. Allez, première ronde, c'est parti. Doskuy en force attaque dans la garde, regarde, même pas. T'as touché en force attaque, regardez-moi la barre de vie de Makoto. La pauvre bichette. Elle doit avoir mal, j'ai mal pour elle. Allez, Chesto dans la garde. Je sais pas si Honda il peut punir, hein, après Chesto. Allez, pressing là de Makoto, le petit setup. Bien joué là, le coup du poulet qui touche, le petit point mille mains. Le groupe qui passe dans la garde, malheureusement, Kumo est pas passé au max, mais ça fait quand même mal sur Makoto.
Et il refait le même combo, la choc touchette qui passe dans le vent. Et là, tout au sol, le Honda, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, l'option. Je suis sans voix, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est joli. Avec l'ultra qui passe. Avec l'option select, Baptifi ultra. Et voilà, qui fout au sol. Mais c'est pas terminé, la Honda, il va pas se laisser faire. Mais la Makoto qui a bien anticipé le coup spécial de Honda. Là, mais je vous dis, Viru va me rendre fou là avec ses phases de l'infini. Allez, Tsumugi qui met au sol. Il utilise bien comme il faut le juggle avec le chest wave derrière. Tsumugi dans la garde. Petit point mille mains avec le combo qui va bien derrière, de ce coup qui touche Makoto alors qu'elle était encore en l'air. Attention là, Viru qui a son micro en stock, presque pour Honda. Qui a deux barres de X, hein, qui peut s'en servir comme deux scouilles X ou chose spéciale X, mais qui a démarré plus vite pour foutre l'adversaire au sol. Allez, bon, El Karakusa qui passe dans le vent, mille mains, avec le gros pied qui passe pas en combo, mais ça fait quand même mal. Gros point qui casse le saut de Makoto. Makoto qui va falloir trouver une solution, mais voilà, pas petit point qui casse Makoto dans son action. Je pense qu'elle a voulu faire un coup dans le vent. Allez, dernière round de ce match là. Attention à la Honda qui a une sérieuse option là, avec sa super en stock. Il suffit de passer les mille mains. Il arrive de passer le combo, voire même un petit confiant. Ça ferait pas de mal pour le Honda. Je pense pas que Viru va lui laisser l'opportunité. Il reste vraiment sur ses gardes. Scoop qui touche. Et pressing là de Makoto. La Honda qui essaye de placer un maximum les mille mains pour placer sa super derrière. Il est malin là, le petit Kongster. Allez, Valiette. Au point, coup spécial qui fout au sol. Gros pied, je crois que ça a été une OS ratée ça, mais ça touche quand même, ça passe quand même. Allez, cette fois-ci, la Viru qui a son ultra en stock. Kongster qui veut absolument garder sa super pour placer la super et boucler ce round ou de se donner l'option. Là, ça va être chaud, là, ça va être chaud patate. Ah, Kongster qui a trop joué sur sa super là, sur. Ouais, qui a trop voulu. Placer sa super pour faire mal, mais voilà, il s'est fait punir comme il faut derrière. Il a pas su se donner l'opportunité de placer sa super, c'est dommage pour lui. Et Viru qui est resté malin et qui ne lui a pas donné les options pour la placer. Ce qui nous fait un score de 6-4. On en est déjà au 10e, 11e match maintenant. Kongster qui va sûrement encore m'envoyer un message pour connaître le score. Allez, on va lui répondre. Allez, 11e match, Viru face à Kongster. Allez, deux scouilles dans la garde. Et une main qui gratte. Allez, pas moyen pour un chesto, en dé de combo, faire sa attaque. C'est bon, le match est lancé. Contre-chop. Allez, mille mains qui gratte. Saut point sur place pour anticiper le saut de Makoto. Avec le combo qui va bien derrière. Cette fois-ci, c'est un petit combo. La Viru s'est mis à avoir son ultra avec une barre de X derrière. Ce qui veut dire un Karakusa X ultra au minimum pour la placer. Allez, Tsumugi qui whiff. Honda qui campe énormément. Il devrait jouer à CVS2, Kongster. Un bon Honda, c'est groove. Voir qu'il y a groove.
dans le même style. Allez, deuxième round. Allez, le coup du filet qui touche en l'air. Ouais, Biryu qui reste sur ses gardes, hein, comme vous avez pu le voir. Il finit pas ses pressings au cas où Kongster décide de placer un Doskoï au pif. Et voilà, ce qu'il voulait placer tout à l'heure Kongster dans le match juste avant. Les mille mains avec la super. Allez, Honda là qui a vraiment pris l'avantage. Il va se mettre sûrement à attaquer comme un porc. Allez, les mille mains X, il va gratter au fur et à mesure. Moyen point, mille mains qui gratte. Et voilà, le coup spécial pour anticiper le saut arrière de Makoto. Et si elle était restée au sol, elle se serait ramassée quand même les chips damage. Dans tous les cas, c'était plié. Sauf si Viru nous aurait sorti une face de l'inconnu, là. Il n'y aurait rien à dire. Donc, 6-5 pour Viru. Effectivement, hein, ça ressemble beaucoup à du 5-5. Hein, même si Kongster a fait quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, ça m'a l'air vraiment du 5-5. C'est la première fois que ces deux joueurs se rencontrent. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Qu'ils se rencontrent à ce jeu-là, surtout. Comme disait Kongster, ils s'étaient rencontrés sur du Guilty Gear à l'époque. Parce que les deux, ces deux joueurs sont des vieux de la vieille. Génération Street Fighter 03 et Guilty Gear. Pour vous dire à quel point ces mecs-là jouent depuis longtemps. Donc, où est-ce qu'ils vont nous emmener cette fois-ci en Inde ?